Hey yo les amis, c'est Zodiac, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment avoir un Kyukubang parfait. Donc quand je vous parle d'un Kyukubang parfait, je vous parle pas d'un Kyukubang qui vous donne les stats que vous voulez et beaucoup de malus sur les autres statistiques. Donc vous le savez très bien, un Saiyan il a beaucoup de faiblesses au niveau des Kikoa. C'est pour ça que quand on veut s'orienter sur un personnage avec beaucoup de Kikoa, on va s'orienter plus vers un Bou ou femelle ou mâle, ou alors vers un Saiyan, parce qu'il a de bonnes transformations, tel que le Super Vegeta, qui rajoute du Kikoa, mais on va s'orienter vers un personnage femelle. Mais aujourd'hui les amis, j'ai trouvé un moyen en fait d'avoir un Kyukubang parfait mais qui donne tout au maximum. Regardez, donc là j'ai mon Kyukubang. Donc là j'ai fait plein de tests, j'ai pris plein de Kyukubang, j'en ai eu des bons, des moins bons. Par exemple mon personnage c'est full corps à corps, donc il me faut beaucoup d'endurance, d'attaque de base et beaucoup d'HP. Et j'avais ce Kyukubang avant qui était bien, qui me donnait du super Kikoa, je perdais un petit peu de ki mais peu importe, tant que je me transformais en libéré potentiel ça m'allait. Et j'ai eu ce Kyukubang qui donne 5 en santé, 5 en ki, 5 en endurance, 5 en attaque de base, 5 en super frappe, 5 en super kikoa, il donne tout au maximum, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, je vais vous montrer en fait comment avoir ce Kyukubang. Et là, en fait, vous allez être tellement étonné, vous allez pas être bien. Donc en fait, vous allez vous diriger vers la boutique de vêtements, et vous allez acheter tout simplement le guide Yamcha Tortue Génial. Donc c'est vraiment c'est vraiment aucune arnaque en fait, vous allez en acheter beaucoup. Donc en vrai il va vous en falloir pas mal. Là j'ai que 52 000 zénith, du coup je vais en prendre 32 hein. Et il en faut énormément hein. Parce qu'il va falloir faire beaucoup de try. Donc j'ai pas beaucoup de zénith, j'aurais dû farmer un petit peu plus avant de lancer cette vidéo. On va voir si j'aurai un petit peu de chance et en avoir un petit peu qui va me permettre tout simplement d'avoir le Kyukubang parfait. Mais vous allez en fait tout simplement au Capsule Corp. Et vous allez au mélangeur de compétences. Une fois que vous allez au mélangeur de compétences, vous allez vous mettre vos deux tortues géniales, vos guides de Yamcha tortue géniale. Vous allez mettre aucun objet, vous allez faire OK et vous allez spammer en fait. Donc là on a eu ki, super kikoa, baisse d'endurance, baisse d'attaque de base. Et on va faire ça en fait tout le long. Tout le long on va faire ça. Mais vraiment. Et c'est tout en fait, on n'a pas besoin de faire autre chose. Il suffit juste de spammer et voilà. Donc par contre pourquoi je peux pas mettre un... Pourquoi ça bloque? Ah ok, j'ai 20 Kyukubang qu'il faut que j'en jette. Sac, liste d'objets. Kyukubang. Ah ouais, il faut que j'en jette. Tac, 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 tac. On jette tout. Ah, celui-là est pas mal. Mais voilà, on jette et on continue en fait. Mais what the fuck? Genre ça va? Pourquoi je peux pas mettre deux fois tortue génial? Ah parce que j'ai plus de zénith. Bon, oh putain je suis un débile mental. J'ai plus de zénith. Je vous fais une ellipse et je vous retrouve tout de suite après dès que j'ai fait un petit peu quelques missions. Ok, on se retrouve directement. Alors j'ai un peu farmé, je suis à 137 169 zénith. J'ai utilisé des TP médailles pour m'acheter des petits trucs. Pour ça, du coup, on est retombé pile à 195. Et on va tout simplement spam. Et on va mettre aucun objet. Tac. On va continuer et on va faire ça pendant tout le long. Je vous mets un petit accéléré quand on aura continué et ensuite je vous retrouve après dès qu'on aura le Kyukubang parfait. Et voilà les amis, et c'est bon, on l'a eu, le perfect Kyukubang. 5 en santé, 5 en ki, 5 en endurance, 5 en attaque de base, de super frappe et de super kikoa. On l'a eu. Ouais, il vous faut vraiment spam. Alors j'ai acheté 32 guides Yamcha Tortue Génial. Je l'ai fait et j'ai eu le perfect Kyukubang.
Là j'en ai eu 32, j'en ai utilisé 30 en gros parce qu'il m'en reste 2. Super bon mathématicien que je suis. Et j'ai eu le Perfect Cucubang. Alors, donc comme je l'ai déjà, en fait ça va pas me le cumuler. Hein. Donc en gros c'est celui que j'avais déjà équipé, en gros si vous voulez. Mais en fait, genre j'ai eu le Perfect Cucubang quoi. Donc voilà, pour le faire il vous faut Masugi de Yamcha. Donc voilà, Yamcha est sous-estimé mais il vous donne un Perfect Cucubang. Donc voilà, ce qu'il faut c'est que vous spammez les zénith, que vous fassiez ça et que tout simplement bah vous faites votre truc. Donc là j'ai eu de la chance parce que il m'en a fallu 30. Imaginez s'il m'en fallait plus, genre si, enfin je sais pas, c'est là j'ai eu de la chance parce que il m'en a fallu 30 pour avoir le Perfect Cucubang. Et je pense que certains d'entre vous qui vont essayer, vous allez en essayer en achetant 150 guides Yamcha, d'autres qui vont avoir un peu de chat avec 12 Yamcha, d'autres avec 40 un peu comme moi, enfin aux alentours. Voilà, c'est vraiment basé sur la luck et si vous avez vraiment de chance. Vous avez vu, j'ai eu un Perfect Cucubang qui me donnait du 0-0 quoi. Donc best Cucubang, voilà, Cucubang il donne 0-0 quoi, donc voilà, enfin donc bon, vous allez avoir des Cucubang de merde et vous allez avoir le Cucubang qui donne 5 en tout, super attaque de base et tout ça, super frappe, donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura permis d'avoir le super Cucubang, le Cucubang parfait, et c'est pas un titre putaclic ou quoi que ce soit, hein, parce que je vois certaines personnes qui font ils disent perfect Cucubang, mais tu vois que tu perds 5 en super frappe, 5 en endurance, t'as envie de dire non, c'est pas un perfect Cucubang. Là, c'est vraiment un perfect, vous avez tout au maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expose the most unlikely artists to make it out of the west coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him.